Salut, salut! Alors aujourd'hui, une petite vidéo découverte pour certains, une ville qui s'appelle Cabourg. Cabourg fait partie des villes de la côte fleurie de Normandie. Comme on peut le voir derrière moi, les bâtiments en colombage. Avec 3000 habitants à l'année environ. Et au niveau de l'été, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pour Nina, c'est sa première fois à la mer. Alors là, on va pas pouvoir la lâcher parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur la plage. À savoir que la plage de Cabourg est interdite aux chiens, même en laisse. Donc là, on est sur le bout de la promenade Marcel Proust, au Home Varaville. Et normalement, on aurait pu la lâcher s'il n'y avait pas eu beaucoup de monde, mais là, il y a vraiment beaucoup de monde. Oh là là! C'est quoi, bébé? Alors là, c'est dommage parce qu'on est en marée montante. Si on avait été en marée descendante, on aurait pu essayer de lâcher Nina. Donc la fin de la promenade Marcel Proust se trouve juste ici. Et elle s'étend jusqu'au bout là-bas. Ce qu'on voit là-bas, dans le fond, c'est Ouistreham. Cabourg de Ouistreham, c'est à peu près à 20 km. Alors là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais dans le fond, là-bas, on voit le Havre. Et là, nous sommes sur la promenade Marcel Proust. Alors là, on peut voir les maisons typiques, les maisons de plage qu'il y a à Cabourg. Alors à savoir que Cabourg fait partie des villes qui participent au concours des villes et villages fleuris. Et ils ont obtenu une fleur d'or.
quelques légumes avec la tomate. Alors là, nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Port-Guillaume. Et derrière moi, là-bas, il y a la halle aux poissons à la criée. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez acheter du poisson pour pas trop cher directement au pêcheur. Le poisson est pêché tous les matins et il est frais. On va aller voir tout ça. Alors ici, c'est la ville de Port-Guillaume. C'est tout petit, hein, c'est un petit port. Comme c'est une ville nouvelle, on est loin des maisons en colombage. Cette vidéo est déjà terminée, donc si tu l'as aimée, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma page et à partager. Allez, à bientôt, suite au prochain numéro.